Bon bah désolé hein, vous êtes passé en emote only et on n'a pas le son. Voilà. Donc, je vous rappelle. Faut que je mette la musique parce que on était au camp des bandits. Il faut que je mette la musique, attendez, parce qu'on avait fait une blague juste avant de partir. Bien sûr, monétisée, hein, bien entendu. Cette blague, non, je rigole. Elle n'était pas du tout monétisée. C'était surtout qu'on était au camp des bandits, donc il faut faire honneur au rap français. Accueil YouTube pour bien cringe. Non, j'ai pas envie que tu actives l'historique de YouTube, s'il te plaît. Merci. Respecte-moi. Donc le son des bandits, on avait fait la blague. Donc on va commencer avec Psychiatre de la rime, alias Psychiatre de la rime. Et on va voir ce que ça donne, parce que je me rappelle plus de ce que c'est comme son. Donc voilà. Pac, pac, pac. Ta, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais peut-être enlever le HUD en passant, comme ça c'est déjà fait. On est déjà prêt à partir. Et vérification du son. Est-ce que c'est bien envoyé là où ça doit être envoyé? Normalement, oui. Ceci est une pub. J'en peux plus. Même les navigateurs qui sont censés bloquer les pubs commencent à faire des liens avec, avec Google. C'est l'enfer quand même. Bah. Ah, c'était censuré, j'imagine. Oui? Une tâche facile. Ça, c'était donc du coup. Comment il s'appelle le groupe où il y avait Je ferai un chanteur tout très mon mieux. connu de variété française maintenant. Je sais plus comment il s'appelle. Et On fait des maintenant, hits, hein. que se Là, je passe-t-il? remarque. C'est Recule. fait. Oh, comment il s'appelle? Je me rappelle des autres, mais là par contre, j'avoue. On va reculer parce que ce gars a l'air d'être fort. Le serviteur de la nature est ça. Avez-vous besoin de mes services? Je peux toujours essayer. Mais il est décédé. Oui, une tâche facile. Le serviteur Vous de êtes dame une bien nature étrange attend. Que se passe-t-il? C'est fait. Non. Est-ce que ce serait une référence au rap français? Et vous pouvez toujours attaquer, hein. C'est pas juste au pif. Ok, c'est bon, on l'a alpagué, reculons. Soprano, voilà. Il vient de le dire, c'est ça qui est bien dans le rap, c'est qu'ils disent leur nom.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez, omniprésente? Je pense qu'on va pouvoir le strike direct avec ça, parce que il est un peu vénère quand même. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit la bonne personne qui l'ait pris. 10 points de dégâts, contendant. Ah ouais, carrément. Bien écoutez, reculons. Moi, je m'en vais. On peut déjà parler aussi du fait que Psychiatre de la Rime comme titre de groupe, c'était pas incroyable. Oui. Bah, Razad, il est reparti directement au combat. Le serviteur de Dame Nature attend. Pour ceux qui ont péri. J'ai l'impression qu'on va prendre cher, quand même. Mais en fait, c'est notre ennemi juré. C'est pas Tazok, mais c'est pas loin. Hein. Il s'appelle Torgoz. Avez-vous besoin de mes services? En fait, il faudrait que tu survives. Choix. Si c'est possible. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est aussi l'époque, je pense que ça revient un peu, où... on laissait le beat un peu en fond, dans le sens où il y avait un peu de son qu'on pouvait récupérer pour pouvoir si jamais on voulait kicker dessus. Et ça, c'était bien. Attendez, je mets pause. Non, mais casse-toi. Je n'utilise pas votre truc là. Je. Voilà. Hein ? Oui, bien sûr. La musique est bon. Donc, du coup, voilà. Oui, c'était une époque où tu pouvais avoir. Alors, attendez, parce que. Je vois un truc là, je vais juste baisser. Oui, c'était l'époque où il y avait un tout petit peu de son pour pouvoir récupérer, remixer, sampler. Là, et j'ai l'impression que ça revient un peu, mais c'est parce que justement, il y a plus de gens aussi qui utilisent les trucs comme SoundCloud et compagnie pour pouvoir se partager leur musique. J'imagine, et du coup on se retrouve avec beaucoup de bases. J'ai appris le terme récemment qui était utilisé actuellement. Je ne sais plus le terme. Plus vous êtes une bien étrange. Si vous êtes musicien, vous pouvez pas. Par contre les voix, je suis désolé, mais au bout d'un moment en fait, faut... Voilà, son de sélection, toujours, non, parfois s'il te plaît. Son de désordre, parfois aussi s'il te plaît. Cri de guerre, oui, bon oui. Terminer sous-titre des personnages, je veux bien. Par contre là, je pense qu'on va avoir du mal en fait. Il a l'air bien bourrin. Hache d'armes. Est-ce qu'on passe à quelque chose de un peu plus vénère? Logiquement, il devrait pouvoir se faire bombe bouclette, mais je comprends pas pourquoi il veut pas. Est-ce qu'on n'utiliserait pas Razad? Parce que je pense que c'est Razad qui visait. Non, apparemment c'est Khalid qui est visé. Il y a quelqu'un qui est visé. En tout cas, toi tu ne devrais même pas être là. On va être ici. Et on va voir qui est visé. Ok, c'était bien elle. Qui récupère l'aggro? Parce que c'est ça la question. Moi je veux que ce soit Dorn qui récupère l'aggro, ça serait bien. Et qui se barre là? Ah. Mais pourquoi c'est elle qui récupère l'aggro? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, 2 minutes. Pour le groupe. Quoi? Oui, bien sûr. Oui, tu me disais. Oui.
Ok, je pense que c'est bon. J'avais laissé le micro 3 secondes, mais vous avez entendu. C'est pas grave. Faut pas le dire, c'est tout. Je m'affaiblis. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Oui, bah nous avons un guérisseur au plus vite. J'espère. Ah, on n'a plus de guérisseur au plus vite. Vous pouvez appeler quelqu'un d'autre. Je vous envoie une potion lancée de mes mains, mon cher. Quoi ? Oui ? Prenez cette boisson. Nous allons dormir ici, bien entendu. Comme nous avons l'habitude de faire. Ça, c'est quoi ça ? Potion d'haleine ardente. Ah, c'est pour cracher du feu, j'imagine. Potion de force morale. Ça, j'imagine que c'est pas pour cracher du feu. C'est pour avoir... force morale. Il y a eu des level up, hein, j'ai vu. Une armure de plate complète. Ça, c'est intéressant. Tu peux porter ça. Classe d'armure, je perdrais moins 1. Pourquoi ? Du coup, je me retrouve avec une classe d'armure de 1. Parce que ça, du coup, ce serait qui ? Tu peux porter ça, toi ? Et donc, on continue. On va faire un niveau. On n'a pas d'augmentation autre que le taco réduit de 1. Point de vie supplémentaire, 10. C'est bien. Okay. Imoen, qui a déjà passé 2 niveaux. Alors là, du coup, on va peut-être augmenter. Donc, vol à la tire, c'est pas mal. Crochetage des serres, c'est pas mal. Détection des pièges, c'est pas mal. Déplacement silencieux, se cacher dans... Peut-être qu'on va faire ça. Hein. Détection des illusions, non, on va augmenter ça. On va le mettre au max. Parce qu'en fait, je pense qu'on va avoir des pièges à régler. Voilà. Bien, on est bien. On est bien. Oui. On a récupéré tout ce qui était au sol. Je pense qu'il est c'est le moment de faire dodo. Bon, on a battu peut-être un des lieutenants. On va essayer de continuer. Peut-être sauvegarder, peut-être. Ça peut aider. Ça peut aider. Bon, allez, c'est parti, hein, parce que... bon, il y a de la thune. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des fléchiers, comme on dit, les archers. On va mettre nos corps à corps, un corps en retrait. S'il n'y a pas le choix, vous avez quelque chose à accomplir. À l'entrée de la forêt. Faut reculer aussi, hein. T'es pas obligé de mourir. Voilà, c'est bon. Un deuxième. Oh, il y a 15 millions de personnes. Allez, on recule. Oui, bien sûr. Ok. Et maintenant, que se passe-t-il ? Je te donne une vie. Le serviteur de Dame Nature attend. Non, mais il a déjà pris plein.
L'impôt, mais pars en fait, Razad, je comprends pas pourquoi t'es vivant tout le temps, comme ça, à deux doigts de mourir d'un coup. C'est qui lui, là? Bandit. Il y a déjà de... Voilà. Okay. Nos fléchés sont équipés, on est là. Dorn est devant. Valide aussi. Ok. Je Allez, peux hop. Toujours essayer. Razad vient de se faire sauvegarder. Bon, bah ça a l'air de bien se passer. Hein. Je récupère ses dents. Tout le monde récupère les scalps. Hein. Mais moi, je veux juste que ce soit Roland de la Tour Prosson qui récupère. Et au niveau des flèches, on en est où là? Ouais, je pense que ça devrait aller. Faire un petit combo comme ça. Bim. Vous voyez un peu. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a plus de place. Logiquement, je devrais. Enfin, elles sont non identifiées, mais bon, à un moment, on va les utiliser. Hein. Le personnage est ralenti. Ah ah. Pourquoi? Comment ton inventaire? Mais tu n'as rien. Ah oui, ça c'est à cause de la côte. La côte de Maria. J'ai vu que... Oui, mais on va peut-être te mettre une hache là. J'utilise rancœur, mais on peut peut-être mettre une hache. On récupère ça. Pour les billes, t'es équipé encore? Ok. Bon, pour tout le monde, ça devrait aller, les projectiles. Très bien. Hein? Bon, bah c'est parti. On continue. C'est fait. C'est qui a une bonne vision? Je crois que c'est Razad, mais je suis pas sûr. Il a une plutôt de bonne vision à distance, mais... Dorn, je crois qu'il a un casque exprès pour ça. C'est pas incroyable non plus. J'ai... À vos ordres. Ah. Et voilà. Maintenant, c'est fait. On va trouver quelqu'un. Oui. Oui, bien sûr. T'approches, hein. T'approches. On essaie d'être prudent. Essayons de découvrir ce coin-là. Et... Et là... Ah, quelqu'un. Marchez avec prudence. Il faut se montrer respectueux du patrimoine de Dame Nature. Bah, on a fait quelque chose? On peut faire un truc. On peut respecter le patrimoine de Dame Nature en mettant un piège ici. Juste pour le délire. Ah, il suit. Mais quoi? Il nous voit là? Ah, c'est parce que pose du piège raté, c'est peut-être à cause de ça. Et maintenant, que se passe-t-il? Oui, bien sûr. Regroupons-nous. Elle n'a pas été sauvegardée du tout par notre cher. Oui, bien sûr. Roland de la Tour Brosson. Mais il est parti où, lui? Allez, 1v1. On va voir qui a les meilleurs dés. Bah, c'est pas moi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attendez, parce que... C'était quoi ces genres de... C'est jeté de l'enfer là. Subit 5 points de dégâts. Mais peut-être qu'on n'est pas en fait équipé. Peut-être on n'a pas trouvé les gants.
Peut-être que c'est les gants qui permettent la protection la plus optimale dans ces cas-là, hein, je sais pas. Hein. On n'a plus de vie, c'est ça. On peut plus, sauvegarder. Donc on va faire dodo. Et maintenant, que se passe-t-il ? Ouais. C'est quand même un simulateur de faire dodo. Hein. Ouais, c'est un peu un... Bon. On a de la vie, ok. Un peu choc. I'm shocked. Bon. C'est fait. Ça va être notre maison. Oui. Hop, hop, figure hop. Autoritaire, tâche on va se déplacer à 3. Bon, il doit être dans le. Ah, mais vous êtes transformé. C'est des orques maintenant. On va se mettre là. I am prepared. Je ferai de mon mieux. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, bon, ça va. Les dés sont avec nous hein, quand c'est des orques. Ok. C'est des orques ? Non, c'est des hobgoblins. Excusez-moi, je ne suis pas dans le lore. Et maintenant, où ? J'ai pas lu. Ah, du coup, je suis déjà à 10. Hein. Au final, c'était peut-être pour ça que je l'ai fait. Ah, mais j'ai toujours le corps de l'araignée. Ah oui, il faut que j'aille voir Landrin pour lui dire tu m'as carotte. C'est vrai, j'avais oublié oui, cette histoire. Une tâche facile. À Berigost. Et lui dire, ah, en fait, tu voulais me tuer. À rencontrer tes potes les araignées. Bon, sauvegardons concrètement le son des bandits. Sauvegarder. Ah ah! Ne marche pas. Moi, je m'en vais. Raté. Attendez, je n'y crois point. Mais c'est pas possible. On a augmenté à 35 sa capacité là. Regardez-moi tous ces jets de dés nuls. Y a rien. Y a rien. Ils ont rien. C'est verrouillé ça aussi ? Oh là là. En fait, ils ont fait une team avec les hobgoblins. J'ai l'impression d'aller bander. Oh ! Il a utilisé les flèches de feu sans les identifier. Mais faut pas faire ça ! Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est dangereux, Roland de la Tour Brosson. Oui, bien sûr. Ça va être la misère. Il nous faut quelque chose d'efficace. Hein. Voler la vie de cet hobgoblin par exemple. Je ferai de mon mieux. On est vivant. Restez là, chers amis. Il y a quelqu'un qui est en train de soigner, mais je ne sais pas qui. Qu'est-ce que vous voulez ? Roland de la Tour Brosson. Par contre, Azad, t'es pas obligé, quand je te dis de revenir en arrière, de foncer vers l'avant. Personne t'a obligé de quoi que ce soit, en fait. Arquelons vite. Quoi ? S'il n'y a pas le choix. This will not be a quick death. Épargnez personne. Passons aux choses sérieuses maintenant. Un morceau. Une nouvelle victime ? Ça ne s'arrêtera donc jamais ? Ah oui, bah Razad est décédé, ouais. En effet, nouvelle victime. Mais Razad, comme d'habitude, non, j'ai envie de dire. Toujours, toujours.
C'est fait. On va avancer calmement parce que là j'ai essayé de déverrouiller trop de coffres en même temps. C'est à partir d'ici que c'est parti en brille. Donc on doit agir. C'est fait. Là il y a des hobgoblins qui vont arriver. Ah. Peut-être toi d'abord. Ah oui, c'est vrai qu'il utilise des flèches. Ah, attends. Je viens de les garder pour quelqu'un de plus fort qu'un bandit. Passons aux choses sérieuses maintenant. Un morceau. Pour ceux qui ont péri. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est Imoen qui va prendre cher. Alors, David. S'il n'y a pas le choix. On va s'interposer pour le bleu blanc. Et maintenant, que se passe-t-il? Épargnez personne. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. En avant. Razad, s'il te plaît, respecte-toi un moment, merci. Fais-lui la paume solaire dans sa tête, là. Tu vas mourir. Pas possible hein, Razan, franchement. Non mais regardez-moi ce... Tu peux pas foncer comme ça dans le tas alors que t'as pas de vie. Bon. Voilà. Et maintenant où? Regarde. Voilà, maintenant. Une tâche facile. On est arrivé par là. Parce que par là c'est safe, il n'y a plus personne. Ah, une route. Un credible. Ah non, mais il y a des gens sur cette route. Oh, mon cœur, des bandits. Vraiment froid. Bah tu m'étonnes. T'as froid. T'es en train de décéder. T'as pas une vie pour toi là, quelque part? Non. Quelqu'un qui donne de la vie? Non, non, non. Prendre de la vie, par contre. Au moins ça va un peu plus vite. Oh des gens hein. Non. Dodo. Bah c'est qui a fait ça? Mais il y a 3 secondes on pouvait pas. Ah mais si c'est là. C'est pas le. Ah oui c'est des capacités spéciales. Elle a des sœurs. Alors que moi c'est une capacité, c'est ça l'histoire? Oui. Yeah. Bon, on va faire dodo. On reviendra sur cette route plus tard. Oui, bien sûr. On avait trouvé le camp des bandits. Il y a l'air d'avoir des scènes de torture. Par ici. Oui, une tâche facile. Et là, il y a une porte. Ma lame vous coupera en morceaux. C'est pas une lame que tu utilises, c'est ça qui est rigolo. Essayer. Ah! 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 Ardenner Crush! Ah! Je ne sais pas le qui vous êtes, mais vous n'allez pas l'air la marrant nature du tout. Attend. Épargnez personne. Est-ce que vous pouvez faire un truc pour lui, là? Azad, s'il te plaît, fais une paume solaire dans sa tête. Passons aux choses sérieuses maintenant. Vous allez voir, je vais vous faire votre affaire. Je veux pas me taper avec un hobgoblin sur reboosté si ça vous dérange pas. Et maintenant, hop, que hop, hop. Ma lame vous coupe. Hobgoblin du frisson. Vous allez voir, je vais vous faire votre affaire. Non, sur notre Razad.
plaît. Razad, s'il te plaît. S'il te plaît, pas tout de suite. Ok, il y a quelqu'un qui est blessé. Ah, maintenant c'est le moment descend, tout le monde est vivant là. C'est ça que ça veut dire. Hey. Je n'ai même pas vu la fin du combat. Et voilà. On a eu Ardenor Crush. Je sais pas qui s'est mis. Il avait de la thune. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je m'en vais. Essayons de décrocheter ça. Quand même, hein. Je ne comprends pas ce système d'ouverture de... C'est fait. Est-ce que les tonneaux aussi s'est fermé à clé? Non. On va essayer de se déplacer autour de cette maison pour voir s'il y a des gens encore. Et après, on va essayer de rentrer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ah! Potion de force morale. On peut rentrer dans cette maison-là? Non, mais cette maison-là... Essayons! Hop. Ça peut partir en vrille tout de suite, hein. Pas un mot. Bah écoutez, nous on va partir, hein. Oui, bien sûr. Là-bas, hein. Attendez, il veut discuter. Laissez-le discuter, s'il vous plaît. Discutez avec lui. Posez les armes. Parlez avec lui. Je peux toujours essayer. Il s'enfuit. Mais le tue. Mais pourquoi ils veulent toujours finir les gens qui veulent s'enfuir? Je... Oui, bien sûr. On n'a pas le choix, là. Est-ce que c'était ça, le Gotti? Vous êtes une bien étrange personne. Elle Gotti. C'est fait. Bon, bah voilà. Hein. Du coup, je sais pas qui c'était. Pauvre de nous. On aurait pu avoir des informations sur le camp. Huile de rapidité. Alors j'ai cru comprendre que dans les speedruns de ce jeu, oui, c'est ce genre de truc là qui est utilisé pour aller vite. Si c'était fait. En fait, vu que c'est fait. Repéré, on peut fuir tous les combats, donc du coup, clairement, on peut traverser quoi. Là, nous, on fait la version, on fonce un peu dans le tas quoi, quand même. Bon, F5. J'en ai assez. Ah bah, un crochetage réussi, tiens. Épée courte, on s'en fiche. Épée longue, on s'en fiche. C'est nul. On a réussi un crochetage. Oui, bien sûr. Ça, on peut se le dire. Une tâche facile. Tâche facile. Ah, mais ça, c'est une autre porte. Ah, on va s'approcher, peut-être qu'on va se faire attaquer là-bas. Ça a l'air bon. Y'a rien. Ah ah. Je peux toujours essayer. Feu ardent. J'imagine qu'on peut utiliser ce genre de truc là, mais du coup faudrait qu'on lise. C'est pas en fait. C'est fait. Compliqué. Essayons de voir. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? 5 dés de 6. Ah oui. Au contact de l'air, cette huile s'enflamme aussitôt, infligeant 5 dés de 6. Jet de sauvegarde contre les souffles pour moitié. Ah, c'est un effet de zone. On peut la jeter à une distance maximale de 12 mètres sur quoi elle heurte le sol et explose en boule de feu. Mais c'est génial! Et on peut la boire. On va la donner à Roland de la Tour Bresson. Ça s'appelle. Avez-vous besoin de mes services? Quand même un cocktail molotov, je pense que Roland en a besoin. On va faire un truc, je vais donner ça. Prendre ça vite fait. Mettre dans nos poches. Prendre ça.
On va essayer. C'est fait. Mourez, vermine. Allez, Gnoll, je crois que c'est un peu vénère. J'avais pas pensé à ça. Comment qu'on va faire? Eh bien, écoutez. Hein? Ah non, ça va vite en fait. Enfin, ça va vite, de toute façon, pareil. Vous pouvez, bien sûr, en tant que lanceur à distance, vous enfuir. Vous avez le droit. C'est la technique du rond. C'est la technique de faire le tour dans le ring. Ça marche toujours. Regardez-moi, c'est digne d'un film de 1910. On aura une chose sérieuse maintenant. Je ferai de mon mieux. Je peux prendre de la vie. Hein. Bon, voilà, c'est fait. Meilleure scène de tous les temps. Je vais me le noter pour le clip, bien entendu. Hop, hop. Qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est quoi du coup? Épée à deux mains et hallebarde. Ok. Oui, bien sûr. On se réunit, on sauvegarde. Juste, je vais me faire un petit mémo. Je pense pas que je puisse clipper là, c'est un peu trop en retard. Bon, plus tard. Est-ce qu'on peut dormir à l'intérieur? Non. Moen, du coup, c'est ton moment. Par ici. Pas possible, franchement. Reviendra, hein. Faudra se rappeler de trucs qu'on n'a pas ouverts. Hein. Dans le camp des bandits. Pas très intéressant. Une tâche facile. On va dormir alors. On va sans doute se faire attaquer, mais c'est pas grave. Mais en effet, hein, moi j'aime bien la nuit dans Baldur. C'est joli. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Ok. Ça risque pas de changer sous peu. Ok, bah si vous aimez pas. Tâche facile. Nous on vient juste vider les J'en coffres. Ai assez. C'est quoi ça? On a tout. Mais il y a que des potions de force morale, faut qu'on regarde ce que c'est, à quoi ça sert, parce que ça peut nous aider, ça se trouve. Pour Azad sans doute. Ah oui. Ah bah voilà, oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Il a décidé de nous attaquer. Bah écoutez, vous avez choisi mon cher. Il a réussi à faire des jets ou c'est nous qui avons réussi tout? J'en ai assez. Partez. Et du coup, il y a... Ah non, on donne le premier coup quand même. Hein. On donne le premier coup, Rolanda Tourbrousson l'a tapé. Par ici.
Ah. Pas pour une dague. Allez, non. C'est fait. Pas grand chose dans ce camp de bandits. Sauvegardons. On a besoin de vie? Non, je ne pense pas. Par contre, j'aimerais bien savoir là, du coup, dans la map, on est. On voit pas grand chose entre le brouillard de guerre et. Là, on a fait. Là, on a fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la petite grotte. Je pense que c'est dans la grotte qu'il faut aller, mais pour l'instant, on va essayer de faire l'extérieur déjà. Là, il devrait y avoir du monde. Hein. Ah non, on est déjà passé par là. Mais du coup, c'est... je comprends pas. On avait pas remarqué que c'était ouvert tout ça? Moi, je m'en vais. Ah. Un tonneau fermé. Au son de soin. Ça, c'est intéressant, en effet. Ça va être pour, bah, pour Azad. Ah, bah on peut pas ouvrir. Moi, ça du coup. Je m'en vais. De la thune. Oui, bien sûr. Une tâche facile. Donc là, normalement, il devrait y avoir du monde. Ah oui, mais c'est parce qu'on est arrivé par là, donc ouais. Je commence à repérer les lieux. Ok, d'accord. C'est là où il va y avoir du monde, je pense. Mais je savais pas que tout ça, c'était ouvert. On rentre. Hein. Par ici. De la thune. Ah, très bien. Ça, ça va être fermé. Fermé. Encore fermé. Les jets ne sont pas avec nous. Mais il n'y a rien en fait ici. Non. Non, il n'y a rien. Une tâche facile. On continue la sauvegarde parce que là on va se faire attaquer. Ça c'était sûr. Ah, ça a l'air d'être une grande tente ça. Alors on va juste patienter ici. Essayer. Ou vous pouvez essayer de le passons aux choses sérieuses faire maintenant. À distance. Ça, ça a l'air d'être une grande tente, ça. Donc du coup, on va facile. Continuer comme ça. Ça, ça a l'air d'être même la salle principale. Je ferai de mon mieux. Est-ce qu'on fonce dans le tas? Bon, ouais, on tente. Aïe, 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 il y a du couteau. Ah là 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 là. J'ai si froid. Ouais, mais tu sais que tu peux... Que se passe-t-il? On va faire la technique de lancer le... Lancer le, l'huile, hein. Voilà. Reculez, les gars. S'il n'y a pas le il y a Roland qui arrive. Attendez. Voilà. Oh là 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 là. Mais quel enfer d'huile. Je suis désolé. C'est quoi ce truc? Ouais, bah on recule, hein. On va voir qui survit à ça. Ah bah par Azad, apparemment. Ok, ok. Bon. Bah du coup, on va commencer comme ça, hein. Je pense qu'on va arriver, on va débarquer. Le serviteur du bien naturel attend. Je ferai de mon mieux. Et maintenant, que se passe-t-il? Je peux toujours essayer. Passons aux choses sérieuses maintenant. Je peux toujours essayer. C'est quand même une histoire, hein, ça, franchement.
Bon, Roland. Pas sur... pas sur Jaïra, sur... Ouais, non, mais s'ils se pointent 1 à 1, on va devoir se les faire 1 à 1. C'est dommage, ça. Ma lame vous coupera en morceaux. Vas-y, on va faire une strat, après. Strat de furtivité. Piouf. Une tâche. On va pas se voir. Tain, tain. Allez, voilà. On l'a lancé, on est parti. Parce que là ils sont dans un sale état là. On arrive, on va se faire une petite pause soin. Chacun d'entre nous, sauf Imoen. C'est fait. Pour ceux qui ont péri. S'il n'y a pas le choix. Une tâche facile. On va faire une petite embuscade en scred pour voir ce qui reste. Faisons des strats, hein. On essaie d'inventer des strats. Je ferai de mon mieux. Ah ah. Et maintenant, ou passons aux choses sérieuses maintenant. Gravement blessé, là, tu m'étonnes. On n'a pas une potion de... intéressante en plus. Alors, checkons. Alors, oui, c'est vrai que l'énergie de cette potion envahit littéralement le corps. La boîte porte sa constitution à 18 durant 3 heures. Ah oui, du coup, t'es... en fait, ça le booste. Ça c'est très bien en fait pour c'est très très bien pour Razad du coup. Ça c'est quoi? 6-10. Le fait de boire une potion de souffle ardent transforme la gorge du buveur de telle sorte qu'il peut cracher un véritable cône de feu. Ça, c'est intéressant. Mais je sais pas pour Razad. On verra ça plus tard. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Bon, ça on sait pas ce que c'est. Oui, bien sûr. Ma lame. Qu'est-ce que vous voulez? I will show you justice. Du coup, je disais, oui, s'il a un nom, ça veut dire que c'est un méchant. Oui. Donc, va falloir le faire vite. Il s'appelle Crédus, pour info. Ah, bah, il va mourir. Pas obligé, du coup, d'utiliser ça. Tu peux utiliser ta fronde. Voilà. Il... Avez-vous besoin de mes services? Ah. Quelqu'un était toujours vivant. Alors Razad, par contre, je sens que tu vas mourir dans pas longtemps. Razad, toujours au dernier moment, hein, comme d'habitude. On apprécie, alors que la stratégie était là. T'es présente. Merci Razad. Bon, on reprend notre stratégie. On passe par ici. Avez-vous je ferai de mon mieux. Non, mais c'est bon en fait. Moi je veux juste quelqu'un qui puisse. Oui, bien sûr. La furtivité c'est. Ok, c'était en option apparemment. Tâche facile. Ok.
Voilà, la furtivité, c'était de trucider quelqu'un derrière une tente. Une tâche facile. Maintenant, on va essayer de faire la furtivité pour voir. Bah non. Donc, nous avons de l'huile ardente. Nous allons l'utiliser. Le but, se déplacer vite. Donc, on va essayer d'avancer. Oui. Je peux toujours essayer. Ok. Ça se passe bien. On va faire un petit contour de la petite baraque. On va juste être accompagné. Je peux quand toujours même. Essayer. Je vois de moins en moins. Le reflet m'empêche de bien lire la stratégie que je voulais faire. Voilà, maintenant c'est mieux. Je vais cramer des rétines, mais il n'y a pas de problème. Une tâche facile. Que ça. Je peux toujours essayer. Et maintenant, pas mal. Pour l'instant, on est pas mal. Normalement. Normalement, ça devrait être pas mal. J'en ai assez. On va voir s'il y a des gens. Oui. Que je peux. Marcher avec prudence. Il faut se montrer respectueux du patrimoine. Mais pourquoi t'as parlé ? Mais fallait pas parler. Mais regarde-moi ça! La stratégie était bien jusqu'à maintenant! Quoi? Oui? Elle a pris deux vies et elle s'est quand même fait bombe au clat. Bon, allez, on part par là. Hein. Et regardez-moi comment elle va mourir là! Comme on dit. Bien battu. Oui, bien sûr. Pourtant, la stratégie était là. Passons aux choses sérieuses maintenant. J'attends qu'on sorte du mode combat et je sauvegarde. S'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On va envoyer Roland de la Tour Bresson. Qui n'a aucune capacité de se cacher. Aucune. Par contre. Il a une capacité à enflammer les gens. Et ça, c'est pas mal, en vrai. Il faut quand même se féliciter d'avoir un gars qui peut enflammer les gens. Allez, bim. Hein ? Maintenant, il faudrait que tu survives, par contre, à ça, si c'est possible. Mais c'est moi où il y a eu deux sortes de soins en même temps, là ? Je peux toujours essayer. C'est fait. Et la technique d'aller voir Crédus et de lui piquer cette une, je croyais que c'était pas mal. Mais apparemment, ils veulent pas. S'il n'y a pas le choix. Par contre, on peut essayer de faire un truc, puisqu'on va faire un enchevêtrement là, genre ici. Comme ça, ça nous permet de nous faire voir que de lui. Et je pense que là, on va bloquer Crédus, par contre. Dis-moi, t'as lancé ton truc, là, ou... Vera, tu l'as lancé? Elle a foiré, j'y crois pas. Mais arrêtez de vous doubler guérir.
Oui, bien sûr. J'ai deux fois plus de toutes sortes de guérisons. On a un autre sort d'attaque en huile. Je crois pas. Par contre, la potion d'invisibilité, je veux bien voir ce que ça donne. Et maintenant, où ? Oui, bien sûr. J'ai même pas créé du... Mon cœur n'y est pas vraiment. J'en peux plus. Ah, mais vous êtes trois. D'accord. Au nom de la vie, déjà. De Crédus. Par contre, Razad, s'il te plaît, reste en vie. Je sais pas. C'est quelque chose. En plus, il se fait flinguer par... C'est bon, t'as l'utilisé, ok. Par Crédus. C'est bon, là. Une tâche facile. Donc. Une. Deux scalp. Une. Deux scalp. Il me semble qu'il faut les donner après les scalps à... Ah ! Arc composite, ça je veux ça. Pourquoi on peut pas le prendre ? Ça nécessite quoi ? Non utilisable par... Oh non, Schroeder, c'est nul. Peut-être que c'est juste que j'ai pas de niveau. On verra plus tard, mais je crois que je peux pas en fait. Oh non... Tâche facile. Bon bah je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire nettoyer le camp, mais je crois qu'il y a la grotte encore. Il doit y avoir les kobolds à l'intérieur. J'ai pas pris ça, donc du coup ce serait bien de le prendre quand même. Imwen. Moi, je m'en vais. Un écu. Bah prends. Moen, faut que tu laisses la place par contre, si ça te dérange pas. J'en ai assez. Moi, je m'en vais. Ah, des dagues de jet, ça c'est bien ça. Ça, ça va être pour Jaira. Même si elle a pas des capacités spécifiques sur ça, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas si dague de jet ça compte comme dague. Donc on... Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la forêt. Tant mieux. Un jour, on y arrivera. Oui, c'est fait. Par ici. Pas possible. C'est fait. Là, il y a la suite d'un chemin, on dirait. Allez là-bas. Là, c'est le début du jour, je crois, non ? Quelle heure il est ? Jour 18, heure 5. Oui, c'est le début du jour. Dans pas longtemps, il fait. Ouais, voilà. On entend les oiseaux. Ah, mais c'est la fin de la map, là-haut. Ah, ah, ça veut dire qu'on a traversé le camp. Il manque plus que la grotte.
va peut-être aller jusque là au moins pour voir ce qu'il y a. Je crois qu'on a fini. On va rentrer dans la tente. C'est possible qu'il y ait des gens à l'intérieur. Et après on va aller dans la grotte. Peut-être qu'il y a des choses en haut ici aussi, mais. Je n'y crois moins. J'y crois moins. Mes excuses, mais j'avais rendez-vous avec la mort. Bonjour. Bonjour, la mort. Je m'en moque. Non, personne n'entre dans la tente de Tazok, sous peine de mort. Tazok, c'est cette personne-là ? Vos mensonges ne marcheront pas, Roland de la Tour Brosson. Comme Endersaï, vous avez croisé le chemin du trône de fer une fois de trop. Le trône de fer ? Comment ça ? Game of Thrones ? Quoi ? C'était déjà à l'époque ? Ou c'est totalement volé ? Incredible ! Bon alors, du coup, qui va se taper ? On va aller fight directement le mage. Hein. Je suis désolé, mais moi je ne suis pas de cette team... mage, donc du coup ça va être compliqué. Si c'est possible de le tuer très rapidement. S'il vous plaît. Bah tu peux partir si tu veux, si t'as froid. Tu peux pas. De la vie. Le serviteur de la vie. Dame Nature attend. Moi, tu m'en vais. Mais ils nous suivent. J'en ai assez. Bah, en tout cas, le mage est mort. Par contre, on a quelqu'un qui va mourir de antidote. Là. Enfin, il faut une foune l'antidote. Est-ce qu'on a un antidote à lui donner? Je crois pas, non. Enfin, prends la bouteille de vin. On aurait peut-être dû faire dodo avant. Et du coup, Endersaï. En fait, si, enfin, Dorn, tu pourrais t'occuper du cobalt là. Merde, je crois qu'on va mourir. J'en ai assez. Oh, je dois être plus touché que je ne le pensais. Non. Non, Roland de la Tour Brosson, non. C'est la seule personne qui fallait pas qu'elle meure. C'était mon excuse pour pas puis pour pouvoir ajouter. Des morts au compteur. Dane. 6. Oh là là. Bon, bah du coup, on va dormir avant. Hein. En fait, on était à court de sorts, c'est surtout ça le problème. Mais vu qu'ils nous suivent, ce serait plus intéressant de faire une embuscade à l'extérieur. Au final. Donc on peut faire un truc. C'est fait. C'est qu'on rentre avec Roland de la Tour Brosson. On est équipé comme pas possible.
C'est-à-dire pas avec ça déjà. On n'a rien du tout. Et en plus, on peut même pas utiliser de sort. Qui peut utiliser ça? Personne. On n'a pas d'équipe de lanceurs de sorts. On devrait les vendre, les sorts, en fait. Mais non, tu n'es pas en retard. Il n'y a pas de retard. On est à la fin du camp des bandits. Là, on rentre dans la tente et après dans la grotte. La tente principale et la grotte principale. Où il y a des gens qui viennent de me plomber, bien sûr. Ils sont là pour ça. Et là, je suis en train de faire la technique du « je rentre, je sors ». Qu'est-ce que c'est ? Les contendantes sont amorties et seules les plus puissantes affectent celui qui la boit. Ah, intéressant. Moi, je veux la potion morale. Là. Il faut lui donner la potion morale à Razad. Voilà. Moi, je veux voir ce que ça donne. Plus de constitution. Hein. Ah bah... je comprends bien. J'espère que ça va bien, en tout cas, Raven Bell. Je te shoot tout, attends, deux minutes. On va préparer. Donc l'entrée, normalement, c'est ici. Pour les personnes en attaque au corps à corps, ça devrait être un peu plus là. Bon, j'ai pas demandé de piave crédus, là, s'il vous plaît. Ah, j'ai tout pris. D'accord, mais c'est pas grave. Et les personnes à distance... Vous êtes une bien étrange personne. On va faire la stratégie de la division... Par ici. La police tue. Ah, la police tue, comment ça? Ça va bientôt le flicage du gouvernement pendant que je décide de quoi faire de ma vie. Ah oui. Oui. C'est... Je peux toujours essayer, s'il n'y a pas le choix. Là, je comprends la difficulté. Surtout qu'en plus, ça va être le pire moment. La rentrée, c'est souvent le pire moment. Alors, donc, je pense que là, on est bien disposé. Je fais petite pause pour faire un shoot-out. Envoyer des cœurs. Bien sûr. Voilà. C'est fait. Et je pense qu'on est parti pour faire entrée-sortie. Mes excuses, mais avez rendez-vous avec la mort. C'est Azok lui-même qui nous a ordonné de venir. Il nous a demandé de récupérer ce dossier et le document, de les repartir au plus vite. Vos mensonges ne marchent pas. Comme Undersai, vous avez croisé le chemin du trône de fer une fois de trop. Et le trône de fer, je n'ai pas compris quelle était la référence. Facile. Donc, maintenant que nous sommes ici, c'est fait. Nous allons nous mettre là. Les personnes disposées en entonnoir sont là uniquement pour pouvoir les bomboclates à distance. Voilà. Maintenant, nous avons le kobold qui vient de sortir. Il faut absolument lui piquer sa vie, parce que je crois qu'ils sont bien plein de PV, les kobolds. Ensuite, bien sûr, les attaquer de front. Voilà. Sachant que nous sommes Roland de la Tourbrosson, rôdeur, voleur et compagnie, nous allons nous balader. Voilà, nous avons déjà réussi à faire 2-3 trucs. Razad, ce serait bien que tu sois là. Khalid, tu devrais être plus là, histoire d'éviter d'être devant l'entrée. Ce serait bien. Dorn. Directement sur le kobold, s'il te plaît. Razad, fais-nous une paume solaire dans sa tête. Hop. Et on va augmenter ta constitution, d'ailleurs. Est-ce que ce serait pas mieux de le faire avant? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que fait. Madame, vous couperez un morceau. Voilà. Constitution. Maintenant, je peux partir si tu veux. Ah oui, il est décédé. Oh là là, j'en peux plus. On fait des stratégies, ça marche pas. Tout ça parce que Razad est décède trop rapidement. Allez, on recommence. Razad, si tu veux, tu peux prendre ta potion maintenant. Oui. Bonjour. Excuse, mais avez rendez-vous avec la mort. Ouais, non, mais c'est faux. Une tâche facile. Oui, bien sûr. T'as pris ta potion ou pas, du coup? C'est bon? Il a avalé. Il a avalé. On peut y aller. Ah oui, bah oui, il a plus de vie. Il a 4 de vie, en plus. On va se mettre là. Toujours essayer. On va se mettre là. Allez, bomboclater ce mec-là.
Nous on va se focaliser du coup sur le kobold. C'est qui est dos à lui là? Dorme, retourne-toi. Pas de peine pour ceux tombés dans des batailles justes. Mais non, mais Razad, j'en peux plus. S'il te plaît, fais quelque chose, survie. Razad, tu veux pas. Alors, on a gagné que un niveau. J'ai juste boosté Razad pour qu'il ait plus de vie parce que il va trop vite. Mais c'est Razad qui a les... Attendez. Comment ça? Razad a les antidotes? Garde de... Ouais. J'ai remarqué que Khalid, il prend cher après. On va mettre Dorn ici directement, comme ça, il récupère directement les gens. Je ferai de mon mieux. Contre, ouais, Razad, t'es en mode libéraux, hein. T'arrives. Une tâche facile. Et après, tu pars. Excuse, mais j'avais rendez-vous avec la mort. En fait, le mieux, c'est que Razad y fasse des attaques dans le dos. Voilà. Hop. Vu que lui, il est sorti, tu vas attaquer. Razad, s'il te plaît, tu restes en retrait. Pour ceux qui ont péri. Retrait. Par contre, Roland, tu peux partir. Hein. Oui, oui, bien sûr. Pas, Et Roland, il arrive trop au cac là. J'en peux plus de ce gars. Vas-y. Vu que t'es au cac, fais une petite paume là sur le kobold pour voir. Ok, on peut partir maintenant. Regardez-moi comment, à quelle vitesse il revient. Et en fait, il les attire bien. Ça, par contre, on peut pas se voiler la face, il les attire bien. Contre la vie, excuse-moi, hein, mais respecte-toi un peu, hein, parce que là, tu prends cher de ouf. Hein. Tu prends cher. Tout bon. Bon. On a eu une partie. On se fait des petits soins, tranquille. Joker. Et maintenant, c'est fait. On récupère, bien sûr. Attendez, vous allez pas rentrer alors que je vous ai rien demandé, s'il vous plaît. Ah, ça c'est un arc composite, on le prend. On sauvegarde. Et on essaye de refaire la même technique ou on rentre dedans? Parce que là, je sais pas comment ça va se passer. Le mieux, ce serait de dormir déjà. On dort. Place tes persos différemment. Tu trouvais que mes persos étaient... T'aimes pas l'effet groupe? Avec Roland de la Tourbeau au milieu. Quand on fait en pointe, c'est ça que tu veux? C'est fait. En vrai, moi je trouve que toutes les dispositions sont pas bien. Ah, il fait jour. Il n'y a aucune des dispositions qui est bien. Voilà, je suis devant. Ça fait tir à distance. Et les corps à corps, ils sont derrière. Ce qui est pas mal pour rencontrer en exploration. Si jamais tu fais des rencontres, mais là, en milieu fermé, c'est pas le mieux. Ensuite, on a encore la même disposition. Cette fois-ci en T.
Pareil. Ça, on l'a déjà fait, je crois. Je sais plus. Donc du coup, clairement, c'est nous qui devons choisir le chemin. Tu vois, on va faire des embuscades, quoi. C'est le jeu de l'embuscade. Bon. On peut se dire qu'on va au contact. Donc, on va être emboulé. On peut faire ça. Donc, maintenant. Il reste que... Ah bah, il reste que ce monsieur. Eh bah, écoutez... c'est un mage au corps à corps, s'il vous plaît. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ah non, il reste quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. Ma lame vous coupera en morceaux. Par contre, vous pouvez bien sûr le tuer. Lui, il va vous tuer vite. Hein. Je vous précise, c'est un mage. Nous, on n'est pas équipés pour les mages. J'ai donné à qui les antidotes bon, on va... Mais non, pas toi. Toi, tu tues, oui. Le serviteur de Dame Nature attend. Oh non! C'est pas que j'aime pas les mages, ils font des trucs. Regarde-moi ça! Dorn, fais un truc, tue-le, s'il te plaît, de ma part. Franchement, si on survit, là... En plus, elle se fait piquer sa vie, là, non? C'est pas ça, l'histoire? Information, stats... Qu'est-ce qui se passe, là, dans la vie? Mais on peut... Voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ils ont peur. Talent, statistique de combat, capacité, mais ils disent rien. Si, ça, panique acide. Ah oui, d'accord. Tout le monde est dans panique. Et il y a des gens qui sont acidés. Sauf notre cher. Il faut tuer ce mage. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Mais en fait, vous pouvez pas partir tant que vous êtes pas toujours en panique, en fait. C'est le problème. Ah, il va tuer tout le monde, ce mage. Quel enfer. Épargnez personne. Quand tu veux, tu réussis tes attaques. Hein. Bon, voilà. Et hop, salut, salut. Salut, salut, salut. J'en peux plus. J'en peux plus. Oui. Une tâche facile. Tuez-le, lui, là. Le laissez pas le temps à survivre. J'en peux plus. Tuez-le. Vite, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. I will show you justice. En avant, mort. Voilà. Et Razad a augmenté d'un niveau. Super, enfin. Point de vie supplémentaire 8. Bah, c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je te trouve pas très talentueux dans tout ça, en fait. Par contre, je veux bien que tu attaques par derrière. Ça, je veux bien. Parce que bon... Oh, il a pris trop de vie. Incredible. Bon alors, du coup, qui a de la place pour récupérer tout? Une, les jets de fait, Non mais c'est pas toi que je demande, du coup. Hop, 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 hop. Faut revendre, hein. Voilà. C'est pas mal. Ça, je pense qu'on peut donner à la vie.
Ok. Le camp des bandits, c'est fini. Presque. Il nous manque juste à piller un peu le trou et la grotte. Blocage de magie. Intéressant. Ah, c'est un piège. Je ferai de mon mieux. On a bien fait de rester à côté, lui. Dis donc, ça a pris du temps pour qu'elle le déclenche. On peut voilà. Amorcer, bien sûr. Oh, la méga thune. Des gantelets. Incroyable. Je peux toujours essayer. On a plus de place. Comment qu'on fait maintenant? Tazok, j'espère que tout se déroule en douceur. Je vous écris pour vous transmettre les instructions de nos supérieurs. J'ai entendu dire qu'une petite bande de mercenaires pourrait bientôt poser des problèmes au trône de fer. Veillez à ce qu'ils disparaissent afin qu'ils ne gênent pas le déroulement de nos opérations. Faites appel au service de l'assassin Nimbul. Il pourra certainement... Tagazok, voyageur. Ça veut dire voyageur, Tagazok? Oui, c'est Tagazok, c'est l'endroit où... C'est le mec qui vient de mourir, je crois. Il pourra certainement vous être utile. Tagazok, c'est celui qui est dehors. Autre chose. Tazok, j'ai noté un lancement de vos expéditions de fer ces derniers temps. Nous devons apparemment recevoir une tonne de minerais supplémentaires, intensifier vos pillages et livrer un chargement à notre base de bois manteau d'ici une semaine. Par ailleurs, Sarah Evokouk aimerait savoir ce qui s'est passé avec la bande de mercenaires. Ont-ils été abattus? Vous ferez bien de vous en assurer. Une nouvelle personne est arrivée, Davern. Non, c'est du Nihilbuck. Ah, mais du coup, là, tu sais qu'il y a une référence en plus au Trône de Fer, donc j'imagine que tout le monde a pillé Baldur's Gate, au final. Peut-être. Alors, du coup, notre porteur de parchemin. Bah, écoute, peut-être qu'on va se débarrasser de cette dague, hein, on va en trouver. Hein. On garde ça. Peut-être la dague, on s'en débarrasse aussi. Là, il nous reste de la place. Ok, c'est bien. Une tâche facile. Donc ça, c'est une personne qui pourrait être voleur dans notre équipe, j'imagine. Le serviteur de Dan pour le groupe. Par contre, faut absolument qu'on aille vendre nos trucs. Mulae et Tazok se sont révélés n'être que des marionnettes. Le véritable maître de ce mystère qui se dévoile peu à peu devant vous continue de vous échapper. Une chose est certaine, une personne a pris un intérêt très personnel à vouloir votre mort, mais vous ne savez pas très bien pourquoi. Votre quête de réponse se poursuit, et le prémonitoire Bois-Manteau est votre prochain objectif. Bah... Le prémonitoire Bois-Manteau. J'aime bien le nom. Eh bien, on continue dans la quête principale. Hein. On avance. Faut peut-être qu'on aille, par contre, se poser pour vendre des trucs. Là, je crois qu'on est à ce moment fatidique. Donc, déjà, sauvegardons. Oui, bien et, sûr. Alors, est-ce qu'on continue dans la grotte? Parce que c'est ça la question. Est-ce que la grotte est grande? Je n'en sais rien. Oh! Ah, mais bien sûr, vous pouvez partir! Vous, pas la bonne odeur. Vous, sentir peur. Vous, pas griffe noire. Vous, intrus. Ah. Oui, bien sûr. Une bah, tâche pas, facile. Hein. Oh. Pardon.
Il y avait que Imoen qui partait. Bon. Et donc une mort de Roland de la Tour-Bresson. Donc on va peut-être pas aller là-bas. On va peut-être pas aller là-bas. On va dormir. Déjà, on va dormir. Je pense qu'on a, bien avancé en je sais pas combien de temps là, de stream qu'on a fait. On va aller à l'auberge, on va aller à Abrahamical, on va voir si on peut vendre des trucs à Abrahamical. C'est pas loin je crois d'ici. La map. Ah bah oui, il faut qu'on teste la route maintenant. On est arrivé par là. Maintenant il faut qu'on teste la route. Oui bien sûr. Donc note à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut rajouter des notes sur la carte? Non. Ça c'est pas mal ça. Ça il n'y avait pas dans le... Pour dire oui, tu peux aller là. Carte du monde, nous on doit aller à l'auberge de Bramical, donc c'est par là, ouais. Ok. Bien là, hein. Ah oui, on teste la route d'abord. Est-ce qu'il n'y a plus de bandits? Mais je crois que c'est... à Beregost ou à... Je sais plus, il y avait une quête de, sur les bandits, mais où on devait ramener l'escape, mais je crois qu'on l'a pas prise. Je crois que c'est Nashkel, mais je suis pas sûr non plus. On va se faire attaquer sur le chemin. Ah, même pas! Ah bah tranquille! Une tâche facile. Un petit plan... Ah oui, c'est... On peut passer par là? Non. C'est beau l'intelligence artificielle. Je pense pas que vous puissiez passer par là. J'ai bien tenté, mais je pense que c'est mort. On va passer par là. Facile. Même les déplacements comme ça, par exemple, Razad, il est vraiment trop en pointe. Il a tellement pas de vie. Et ça, c'est clairement parce que ses capacités... portantes en vitesse, j'imagine. Et du coup, tu le vois partir en haut loin pour aller se faire bomboclat tout seul, comme un grand. Est-ce qu'on on va vendre directement les sorts parce qu'en vrai... Passante, oh non. Arrêtez-vous un instant pour vous un mage qui voudra... Mais non, mais tu vas nous tuer, on te connaît. Salut. Et là, passant. Arrêtez-vous un instant pour cher. Vous occuper d'un vieil homme. J'ai beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps, je suis très, très impressionné. Et vous, qu'avez-vous dire que des bonnes choses, j'espère? Cela dépend de la personne à qui vous adressez, évidemment. Dans l'ensemble, il semble que vos actions soient bien intentionnées et elles sont donc reçues comme telles. J'aurais fait de même, bien que peu d'autres, que peut-être avec d'autres méthodes. Les indices vont certainement vous mener sur la même piste que moi. Voilà. Comme vous l'aurez sans doute déduit, les indices semblent mener vers la forêt de Bois-Manteau. Il est probable que les vauriens qui sont derrière les bandits ont un repère dans les bois, bien sûr. Comment ça? Bien sûr, je ne fais dire que ces choses que vous savez déjà. Bonne chance dans vos voyages, jeune homme. Usez de prudence, car vous faites de puissants ennemis ici et à l'intérieur de vous-même.
Je regrette de ne pouvoir parler plus clairement, mais les événements doivent se dérouler sans que le vieil homme que je suis ne s'en mêle. Mais ça, je connais, c'est les personnages du MJ. Ça, c'est les personnages envoyés par le MJ pour nous rappeler la quête. Facile. Bonjour. Est-ce qu'on peut acheter des sorts? Non, toujours pas. On peut acheter de la... Ah, ça n'a pas baissé. Ah si, ça a baissé de 100 balles. C'est cool. Par contre, moi, j'aimerais bien vous vendre des trucs. C'est pas ici qu'on vend des trucs. Je vois. Je vois, je vois. Vous voulez pas accepter les... Ok. Je te donne, bien sûr. Ah, faut augmenter des réputations. Ah, ça donne de la réputation. Eh bien, écoutez, je ne donnerai plus. Ça augmente ma réputation, c'est pas très intéressant. Une tâche facile. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est fait. Bonjour, bonjour. Ah oui, on a oublié d'identifier, parce qu'il faut identifier beaucoup de choses aussi. Non, je vais vous vendre des trucs. Alors, moi, je vais vous vendre. Essentiellement. Tout ce qui n'est pas magique, hein, bien entendu. Il me sert à rien. Donc ça, je vous vends. L'épée courte, je la garde. Ça, j'en ai pas besoin. Nuage puant quand j'aurai peut-être des trucs à faire. Et on s'en fiche, ça aussi, ça aussi. La culotte dorée, je sais pas pourquoi on peut pas la vendre. La bouteille de vin, je crois que ça sert à rien. Ça, c'est pas la bouteille de vin, ça. Décrit ce vin comme une alliance fruitée d'arômes et de pisse. Je crois que je devais pas la ramener à qui que ce soit. J'aime. Voilà. Pierre scintillante, alors je sais à quoi ça ressemble, c'est joli, mais on n'a pas de lanceur de sort, donc ça sert à rien. Dague de G, on va garder. Remarquez que cette vente est à presque à notre défaut. Hein. Bah la robe de mage, on faudrait l'identifier peut-être que... Ah, elle est pas à 1, hein, c'est sûr. Bon, du coup, on va vendre tout ça. Hein. Gantelet, c'est pareil, faut qu'on le récupère. L'identification... Voilà, donc on faut identifier beaucoup de choses. Hop, vendre ça. Donc là, symbole de... Hop, hop. Armure de cuir, je pense qu'on n'en a plus besoin. Mais c'est pareil, l'arc long composite, 25 balles. Je crois qu'on en a déjà un, mais il faut vérifier. C'est tellement rien, en vrai, quand on réfléchit. L'écu, faut... Voilà, la cote de maille, je pense qu'on peut la vendre. Ça, faut identifier. Je vous en prie, mais asseyez-vous. Une tâche facile. Je pense qu'on va s'arrêter après, hein. Votre groupe avant d'aller plus loin. Je pense qu'on va s'arrêter après. On fait le tour, on identifie tout. J'ai oublié d'identifier, oui, parce que c'est ici l'identification. Ouais, j'ai cru voir qu'il y avait quelque chose, mais non. C'est fait. Ah ah. Capacité, classe d'armure 1, jet de sauvegarde 1. Ça, c'est pas mal, ça. Ok. 100 balles, hein, quand même, à chaque fois. C'est un prix. L'héritage des maîtres. Je crois qu'il y avait les armes... Okay. Bon. Petite vérification de tout ce qu'on a. À l'extérieur. On va aller dormir, bien entendu. Une tâche on va facile. Vérifier ce qu'on peut prendre et comment on se rééquipe. Tranquillement.
Vous devez réunir. Parce que par exemple, faut doser Razad là. Une parce que genre, il me stresse avec ses attaques nulles. Donc. Pause cacahuète. Remarquez qu'on n'a pas fait de mise à jour de la bio. Personnalisé. Biographie. Waouh, on n'a pas fait de mise à jour depuis Berry Ghost. Nous sommes. Attends. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas. comment je vais dire? Cela fait longtemps. Pourquoi le F? Ouais. Cela fait longtemps que je n'ai écrit mon cher journal. Je n'ai écrit ici mon cher journal. Sache que énormément d'aventures se sont déroulées. Mourir est devenu mon quotidien. Dernièrement, je suis mort plusieurs fois, ainsi que mes compagnons. Dernièrement, je suis mort après avoir rasé un camp de bandits. En pénétrant une grotte Imoen s'est enfui me laissant décéder auprès des autres. J'aurais préféré qu'elle m'attende. Voilà. Magnifique. Donc, nous sommes à la verge. Je pense que c'est le moment. Ah, mais on a toujours ça encore. Alors, ça. À notre protection. Plusieurs de ce type furent, mais on ignore qui est à l'origine de cet enchantement. L'histoire rapporte que ces anneaux restent dans la famille pendant 3 générations. Il semble cependant qu'ils se fondirent tous en un seul anneau, l'intimité entre le roi et la famille du créateur. Hello there! Du coup, hop, ça c'est pour Razad. On a besoin de protection pour Razad. L'arc composite, mais du coup, il n'y a personne qui peut le porter, mais voilà. L'arc court, on va le revendre. On va le donner à Dorn, comme ça je vais m'en rappeler. Les flèches, faut les donner aux fléchés. Alias les archers. Ça. Épée longue. Tu n'en as pas besoin. On va donner à Dorn. Ça. Roland de la Tourbrosson sans charge. Hop. Dalène ardente. Je veux bien te le laisser. Voilà. Donc là, on a un écu plus un. Un écu plus un. Il y a plusieurs trucs qu'on a trouvé. Ça, c'est à Dorn de toute façon. La potion d'absorption, c'est pour prendre des coups. Donc, tu vas le garder. Ça, c'est la lettre de trahison du camp de bandits, mais il n'y a plus de place. Voilà. La hallebarde. Ça, c'est un truc qu'on avait trouvé, donc c'est possible qu'on puisse l'acheter. L'épée longue, c'est un truc qu'on avait récupéré, c'est pas très intéressant. Ça, c'est pareil. Marteau de guerre. Un des 4 plus un contendant, bon, ça, on s'en fiche aussi. Par contre... L'arc court, bah du coup ça c'est ce qu'on doit vendre. Voilà, marteau de guerre plus 1. Donc, il est contendant un peu plus. Ça c'est pas mal. On est à 1 des 4 plus 2. Oui, mais on est, oui. Avec, comparé à son arme, c'est pas vraiment incroyable. Et donc on a 2 marteaux de guerre.
Par exemple, est-ce que quelqu'un d'autre peut le porter? Voilà. Mais le marteau de guerre n'est pas incroyable. Donc, alors, ensuite, les écus. Écu plus 1. Fait par la magie qui se dégage de ce bouclier et qui procure un bonus de 1. Ah bah toi, tu n'as pas de protection. Porte cette protection. Après, c'est des deux mains, je crois, qu'il a. C'est pour ça. Bon, on va lui laisser ça. L'écu. Hein ? Je pense que c'est mieux que son pavois. Ah bah non. Même pas. Razad, c'est bon. Donc du coup, toi, t'as les gantelets. Les gantelets, ils ont l'héritage des maîtres. Très recherché parmi les guerriers novices, ces objets appartenaient jadis à la famille royale de Trinia, transmettaient une partie du talent légendaire du prince, donnant à quiconque le portrait. Les portraits, de, le pouvoir de maîtriser toutes les armes. Il semble cependant que la majorité de leurs anciens propriétaires aient connu une fin sanglante. Les gants apportent l'expérience, mais non la sagesse. Plus 1, plus 2. Dégâts. Sûr de magicien. Ça, c'est intéressant. Voilà. Non la sagesse, mais tu as de la sagesse, Razad. Donc ça devrait aller. À Razad qu'il fallait le donner, mais c'est pas grave. Au moins, il va faire plus de coups et il va mourir comme il a vécu. Voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Rien à donner. Ça, c'est dague de jet. Ça peut être intéressant, de toute façon, mais... Bref. Je vais donner à quelqu'un d'autre aussi. Parchemin, on peut le stocker ailleurs. Hein. Ouais. On l'envoyait, oui. Ok. Ça aussi, c'est de la thune. C'est de la thunasse, ça. Faut le revendre, ça. On va donner tous les trucs à revendre à Razad. Donc, ça. Attends, il est plus simple, ça ? Non. À Razad. Pas à Razad. Pas à Razad. Pas un Zad. La hallebarde, on va la garder parce que ça peut toujours aider. Ah non, on a moins de tacos. Moins de dégâts. Bon, vas-y, on revend la hallebarde. Ah, le tir mortel. Ah, arc long. Bah, vas-y, c'est pour notre cher ami Roman de la Tour Brosson. L'arc composite, du coup, il peut pas l'utiliser. Ça, c'est... Toi, tu peux avoir une arme en plus, donc tu peux garder ton... Ah voilà, une hache d'armes, c'est mieux. Écu plus 1, on lui a pas donné. Pourquoi Ah oui, ça fait moins 1. Donc du coup, peut-être que... Quelqu'un qui n'a pas de protection valable. Voilà. Ça, à Dorn. Non, c'est pas Dorn qui va être notre vendeur. Ça va être Razad. Ça, il faut qu'on le vende aussi. On s'en fiche de ça. Voilà. Donc l'arc composite, on peut pas l'envoyer à qui que ce soit. Ah, il peut... Attends, tu peux faire de l'arc ? Mais bon, on s'en fiche en fait. Moi je veux que tu sois au CAC 40, notre cher... cher Dorm. Dague de jet, c'est bon. Tu es porteuse de parchemin. Non, on va les mettre là, mais bon, ça sert à rien. Voilà. Un peu de... voilà. Ah, donc, on a nos flèches de rapidité. Voilà. Ça, c'est intéressant, mais après, bon... Ce serait bien d'acheter un peu plus de protection. Voilà, c'est ce que je me dis. Un peu plus de protection. Ah, faut que j'y aille. Ah, it's time to leave. Je vais y aller.
Alors déjà on va lui vendre tout. Hein. Bad. Hop, 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 hop. Hop. Halbarde, épée longue, marteau, arc court. Voilà. Et on n'a pas des gantelets par hasard? Vous vendez pas des gants? Des protections quoi. Des trucs. Non. Non. Bien écoutez, on va vous prendre une chambre. Combien ça coûte? 8 balles. Bon, elle est royale. Peut-être un peu de boisson avant. Pas con. Les grands ducs accuseraient l'âme de toutes les attaques sur les routes. C'est pas bon d'accuser le pays le plus puissant du monde occidental. Ah bah. Si. Loué. Et je vais regarder du coup, maintenant qu'on fait dodo à l'auberge, bien sûr, c'est le moment où... on arrête.